Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV dans l'actualité de ce mercredi 31 janvier. On continue évidemment de parler d'Ascométal, cette usine de sidérurgie située à Lefrancouc, près de Dunkerque. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a finalement choisi l'offre de reprise du groupe suisse Schmolz et Bickenbach, alors que les syndicats préféraient celle formulée par Liberty House. Selon le nouveau repreneur, ce sont une cinquantaine d'emplois qui vont être supprimés sur le site dunkerquois, avec donc la fermeture du Laminoir, ou encore une autre fermeture annoncée, celle d'Ascoval, située à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a tenté de rassurer en mettant en avant un accord conclu avec l'actionnaire suisse pour maintenir l'activité du côté de Saint-Saulve pendant encore un an, ce qui pourrait peut-être permettre de trouver un autre repreneur pour le site. Du moins, c'est ce qu'on espère du côté de Bercy, mais à en croire la presse spécialisée, on prépare déjà des mesures d'accompagnement pour les salariés dans l'hypothèse où aucun repreneur ne se présenterait d'ici un an. Cette histoire de repreneur, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, n'y croit pas non plus. Les syndicats d'Ascométal, eux, demandent une réunion au ministre de l'Économie. Il faut comprendre que l'entreprise connaît son deuxième PSE en 5 ans. Une situation qui est difficile à vivre pour les salariés comme pour les syndicats. Écoutez à ce propos Philippe Emery, le chef de file du groupe Front National à la région, mais surtout élu dunkerquois. Il était hier sur ce plateau, il répondait aux questions d'Adrien Lannoy sur le sujet. La fin du laminoir de Lefrancouc était déjà prévue dans les accords qui ont été pris par le conseil régional avec Vallourec il y a un an. Hein, sauver Saint-Saulve en sacrifiant Lefrancouc. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que par manque d'approche collective du problème, je le dis parce que au conseil régional, l'approche a été uniquement Hauts-de-France, alors qu'il fallait avoir une approche liée avec les régions Grand Est, PACA et l'État. Et maintenant, le président du conseil régional nous dit: j'ai été berné par l'État. Toujours dans l'actualité près de chez vous, en début de semaine, des lycéens en CAP du lycée professionnel Bernard Chauchois à Limbres participaient à des travaux de rénovation d'une dépression humide dans le marais de Limbres. L'objectif, c'est de permettre le retour d'une faune et d'une flore bien spécifiques à ce marais. Alors cette dépression humide, qui est une sorte de bassin, devrait permettre un meilleur écoulement et un meilleur stockage des eaux. Les jeunes qui ont participé à ce projet étaient d'ailleurs tous volontaires. Leur mission, elle, s'inscrivait dans la continuité du projet Biodivers Lycée, un projet financé par les espaces naturels régionaux, où 14 établissements de l'Académie de Lille participent et suivent leurs travaux. Par exemple, ces jeunes de Limbres ont rendez-vous au mois de mai-juin pour voir si leur travail a porté ses fruits et si la biodiversité peut enfin revenir dans les marais de Limbres. En attendant, certains de ces jeunes étaient même déjà de retour sur le terrain hier, mardi, parce qu'ils n'avaient pas cours. Explication sur ce projet qui a intéressé les étudiants au micro de Louis Caillet. Le marais de Limbes, c'est un site exceptionnel au niveau sur le territoire du parc naturel. Et on voit avec nos différents inventaires qu'il n'exprime pas toute sa biodiversité. Du coup, restaurer des petites dépressions humides comme ça permet de diversifier les habitats et donc espérer le retour d'espèces typiques des zones humides. C'est principalement des libellules, bien sûr les amphibiens. Après tout, il y a un cortège de papillons aussi qui sont vraiment typiques de ces habitats naturels. Donc on croise les doigts pour que ça revienne assez rapidement. Et puis pour terminer, peut-être vous vous trouvez devant votre petit déjeuner, eh bien on va parler pain. Direction Calais, où l'on part à la découverte d'une entreprise d'insertion qui a pour vocation de fabriquer du pain 100% bio. Ça s'appelle Pain et Partage. Les locaux ont été récemment inaugurés et à l'intérieur, on retrouve une méthode de fabrication artisanale, mais avec des moyens et du matériel industriel. Je vous propose donc maintenant de découvrir ce projet bio, local et solidaire, présenté par notre journaliste Louis Caillet. Qui chante à peine sorti du four. Chaque matin, David le boulanger, aidé d'Arnaud en contrat d'insertion, s'active à la préparation, à la cuisson puis à la livraison d'environ 300 pains. Ses destinataires, des groupes scolaires privés, l'IME ou encore la société de restauration Happy. Inaugurée au début du mois de novembre, l'entreprise d'insertion Pain et Partage a fait du bio son cheval de bataille. Un pain bio, c'est un pain qui doit être respecté, c'est un pain de tradition, c'est un pain avec une farine de T65, une farine semi-complète,
C'est un pain où il faut prendre son temps. Un pain bio, il nous faut entre 24 et 48 heures de pousse. Un pain bio, c'est un pain fait avec uniquement une eau, pratiquement une eau de source, puisque notre eau est purifiée, avec une farine 100% bio et un sel non ionisé et sans aucun additif. Résultat, le pain est plus nourrissant, moins aéré et se démarque même d'autres pains labellisés bio, car la loi autorise l'ajout de 5% d'additifs au maximum. Chaque recette, chaque ingrédient qui rentre dans la conception d'une recette a été visé, a été validé par la certification bio. Ça fait, si demain je veux sortir un nouveau pain, je dois obligatoirement passer par la certification avant de pouvoir le commercialiser. Mais l'objectif premier reste bien la formation et l'insertion des personnes déscolarisées en recherche d'emploi ou bien qui souhaitent se réorienter en alternant seniors et jeunes issus des quartiers prioritaires de Calais. De toute façon, le prochain embauche que nous pensons faire, c'est déjà quelqu'un qui aura une formation de boulanger de façon à suppléer notre chef boulanger, de façon à pouvoir aussi se diversifier dans différentes qualités de pain. Mais qui dit diversification, dit partenaire à trouver. Parce que plus nous aurons de clients, plus nous pourrons nous étendre, plus nous pourrons créer de l'emploi. L'objectif, c'est avant tout l'emploi. Le mot de la fin. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise farine, qu'il y a des mauvais boulangers. Non, c'est pas du tout plus difficile. Il suffit simplement de donner le temps au temps et de respecter la matière première. Et on arrive à sortir un pain qui est aussi sympa que le pain, entre guillemets, ordinaire. Allez, un mot de sport avant de se quitter. On parle football et Ligue 2 en match en retard de la 21e journée. Sachez que Lens s'est incliné à domicile face à Sochaux, 1-0, un but marqué par l'ancien lensois Johan Tousgar. Et c'est là, il s'agit de la 12e saison en 23 journées de championnat de Ligue 2. Fin de cette édition, tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo.